Maintenant, on revient pour faire charger, pour préparer d'aller dans le deuxième madrasa aujourd'hui. On fait un programme aujourd'hui de distribuer le mushaf dans deux madrasas seulement jusqu'à notre jour pour aller dans les autres madrasas. Maintenant, on prépare à peu près 60 mushaf pour aller dans notre madrasa. On est déjà fait remplir les cartons, on l'a mis dans la deuxième adresse. Donc on a déjà distribué une école. Là nous partons pour la deuxième école qui est un peu plus loin. À peu près on a ramené à peu près une soixantaine de mousraf. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant on est arrivé dans le deuxième madrasa. On est en train de distribuer maintenant dans le deuxième madrasa. Comme vous regardez, ce madrasa il était bien. Était couvré de tôle, mais avec le tempête, cette tôle est arrachée. On a couvert seulement le dans cette partie qu'il y avait le véranda de ce madrasa. On a couvert cette partie pour que les enfants se puissent rester jusqu'à au moment qu'on trouvait des moyens pour recouvrer les salles principales. Si on est un peu loin du village, mais c'est ça, c'est un bon endroit pour faire une madrasa, parce que ici, comme ce que vous voyez, l'agglo qui est là, déjà c'est un projet de construction d'un hôpital. Et ici, il y a des grandes places qu'on peut construire des madrasas, mais ce qui manque, ce sont le moyen pour le faire. Regarde, c'est le responsable de cette madrasa qui enseigne depuis des années sur les enfants. Le responsable de ce matin, pour les élèves. Ah,
comme vous voyez, c'est pareil, on n'a pas de moyens ici. On a les filles à côté des garçons parce que la mixité, on ne peut pas y éviter ici. Il manque de place, manque de moyens. Quand vous remarquez, vous verrez qu'on avait la tôle en haut et c'est envolé. Il n'y a pas de tôle. Là, c'est le balcon. Vous voyez, quand vous regardez les tôles, ils sont pourris. Mais bon, nous faisons le moyen pour que les enfants ils apprennent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, ceux qui peuvent nous aider à construire un madrasa qui pourrait contenir tout le monde, c'est barakallahu fikum wa jazakum Allah khair. Allah subhanahu wa ta'ala vous récompensera de votre générosité. C'est vraiment différent des écoles que vous voyez dans les pays arabes ou alors en France. C'est vraiment, c'est le moyen, c'est vraiment plus bas quoi. Il n'y a pas d'autre mot pour dire. Les enfants ils sont par terre, il n'y a rien, vous voyez que c'est des cailloux, en haut il n'y a pas de toit. Bah, il n'y a pas de toit parce que le mieux c'est de mettre du béton. Mais malheureusement, manque de moyens, il n'y a pas de béton. Bah, on ne peut pas vous faire autrement. On avait même fait un tableau là, il n'est pas fini. Les tableaux, il n'y a rien. Voilà. Mais comme ce madrasa était prévu avant, il y avait des salles, l'un pour le garçon et l'autre pour les filles. Mais à cause de la destruction, l'enlèvement du tôle avec le vent, le madrasa se trouve dans l'autre côté du madrasa. On se mélange le fille et le garçon parce que l'autre salle, il y a des tôles, mais il y a des gens qui le prient pour faire des magasins, pour mettre d'autres choses. En attendant, au moment qu'on a trouvé des moyens pour la couverture de l'autre salle. On va regarder. Bah donc c'est la deuxième école comme je dis, hein, on va distribuer inchallah les mushaf et voilà, en tout cas qu'Allah vous récompense à votre générosité. Mais. Une petite ou un petit.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا حداني شكرا جزيلا سبحانه وتعالى أوكايا جزم قرن أوكايا ما بنا ما دربك فحدث إنما عداني كان شكرا جزيلا وكم جزيلا دمويا فني جتيادي يعني كم عن روانة جتيادي وفني تنقصين إكاتم جزيلا وان روم كذا جفني تنقصين إن شكرا ما إيه أبيلي أربعة شكرا زهات وصلي ما عندك وسهم وسيديا فكرة مفويو مالي أترجمون رنا ماينو أوكاين تنام تيت بيش وان رو دراو Baik sahun tu darah ni mana ya ho silam sahun tu darah Quran. Ubi cina bumbu suafu iho. Anak nama bumbu suaf. Aku kata tu koru hendak mian baca iye. Alafun ayam aku aku Quran ni indesio ndom ndom amnya zim. Kalam Allah wa kalam Rasul. Sya anu kata jua ifasiri kata jua kima ayat Quran. Nono aku faham dengan gozimu. Gar aminu kau jua ifasirah ayat Quran. Mana tulah malikau. Abaik heli raperasa seberapa nombum suafu, ushindi rangu doa Allah Faransa tawasuliban ushindi kya wasuliban barali shingiza kami, ombahizo nomtopia. Tak kejati mizrashi zashkomor abu mungkin sama petit. Abang gar syukur mulya zimungu,
na kwa Mwenyezi Mungu wa yaanike jitihadi wa kena macho ya urafikira kwa kwa mono mbesema filmi wa mfilme hiyo mono madrasa ni kifanya rangu hale ajiri problem ajiri ansida ya upepo tolipua rangu yao atana leo kartu onda ma kartina makazi shanga singo soma ono baraza madali mji wao ikai fanya madrasa ya kwa pandoji makiwana washo pandoji makiwana home sha qadara Allah ma sha afala Mwenyezi Mungu afanye zaka kahanza Sheikh Furus Rahana yeye mwisani huno zile kutima ndono ndone amtika bana hii sha kadale mewa abanga mtaji yao rangule insha Allah kebanu madisa ndo Zadunga baano haini mahar hundam sadainu banga sina wandu waliwar mansiya wanda tena wakufanya misada madainu wandisa na kumajana meseje mkini chiawa warasaidia tena bao mchankezo wandu wao abungar taraji mkarsu juwe lugam ko rungu ware kashan kashi zungu shanga rungu lugu ya hatu fundi shekh rungu jo utara jamu mautaji ya hatu na mjo wandu wanupia wandu wanupia wenji wanana zweni wa hatu asuma baano mane madara saribuwa rangu katerizane katerevendis Abonga sina wanazioni sawa ho mafundi chimeshu wao ndo wanazioni kao wa bwana pala sholino na katulo nao yanu ha wanazioni sawa ndo atenda basi ni makatulo dango hao nge imamu nge fundi msomeso ende msomeso hapa ha ende wakile mafundi na wananya wako zume sabanu wacho banu yabor kanda na saka uora nzilo zale hahe dango kitina Wende funda mu abantu sha risoma bazima sha Mwenyezi Mungu arambia mtu marambe ukakhairu kama tala na Qur'an alama batulenge jitadukaya akairi bunge hadithi hiyo ridungu ribua madrasa banu arsome sabani kawe kaya ni sahula sha roho la jahun abanga Mwenyezi Mungu hani mahar hunde madisa madaino wajita na mwana wa filmu angalie ezajira mtujibu ama makalime namna yenu beshe bajuka ngasina mwana Yesu Mungu atara jamu eshikomori ili ndo ndo wasiliano haufubi shukuria bisha marhaba rijibiwa rijibiwa ndo mazifanya tsinongo tinti wa shukran lakum wa jazakum Allah khair wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra wa astaghfirullah inna Allah ghafurur rahim wa al'afa minkum wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bref, faut traduire ce qu'il a dit le cheikh, qu'Allah le récompense de la meilleure récompense. Donc il a commencé par vous remercier vos efforts et cette action très généreuse qu'Allah vous récompense et vous augmente vos biens, accepte vos œuvres et vous pardonne et vous faites rentrer au paradis, Inch'Allah. Et donc ils sont très contents de recevoir ces mousrafs. Il a souligné aussi les difficultés que rencontrent les élèves. Cette madrasa a été, au départ, c'était en tôle, c'était dans les années 90. Petit à petit, on arrivait là, mais comme vous voyez, il l'a souligné, là, il y a la moitié de la tôle, il n'y en a plus. Alors, c'était prévu d'avoir deux salles, une salle pour les garçons, une salle pour les filles, mais mal à Saf. Donc malheureusement, il n'y a pas les moyens. On est dans cette situation. Vous voyez que tous sont ensemble, femmes et filles et garçons. Vous savez les dangers qu'il y a entre quand il y a une fille et un garçon, il y a une masse souvent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à vos actions comme ça, nous aidera à construire une vraie école où on aura plusieurs salles pour partager les niveaux, inshallah. Il a souligné aussi qu'ils aimeraient bien avoir aussi du soutien, surtout avoir une place pour l'enseignement. Donc, comme il l'a souligné, nous, on a le grand cheikh, ça c'est vraiment le premier cheikh de cette madrasa. Et ensuite, celui qui a parlé sur le deuxième, cheikh Ali. On a aussi cheikh Youssouf, ça c'est les premiers élèves de cette madrasa qui sont sortis. Maintenant, alhamdoulilah, mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la science. Ils enseignent aussi les autres qui sont derrière. Il y en a d'autres qui ne sont pas là, mais Mouhim, ça c'est le principal. En tout cas, nous vous remercions. Qu'Allah vous récompense de la meilleure récompense, encore une fois.
Ceux qui veulent des enfants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne des enfants salih. Ceux qui veulent des femmes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des femmes salihatan. Et ceux qui veulent des hommes, des maris, pareil, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne des maris, mais pareil dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Augmente vos biens, augmente aussi votre vie, mais dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous remercions vraiment énormément. C'est des gens qui pour acheter un moussoir, c'est très 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 cher. C'est très très cher un moussoir pour ça en haut. C'est vraiment c'est un acte très 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 méritoire qu'on va vous récompenser encore une fois. Regardez, il y a le vent, ça bouge, la tôle bouge. Il peut partir à tout moment. Aidez-nous à construire des vrais madrassas. Aidez-nous, fils Abidillah. Aidez-nous, fils Abidillah, à construire des madrassas. Allah subhanahu wa ta'ala vous récompensera. Et de vos actions que vous faites, vous aurez Yawm al-Qiyamah, vous aurez Jannat al-Firdaws. Amin, amin. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khaira. Bon, puisque nous sommes arrivés ici, on a la chance de vous montrer ce qu'il y a ici. Parce qu'ici, on est en train de commencer l'hôpital pour garder la santé des gens de ce village. Parce qu'à ce village, il n'y a plus de l'hôpital ou de dispensaire à côté du village. Il fallait sortir à peu près jusqu'à des autres villages, à peu près des 5 à jusqu'à 10 km. Mais ici, dans cette année, on a commencé à construire cet hôpital. Mais dans un grand village, une grande ville, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. On a commencé à construire cet hôpital. Et là, juste à côté de la madrassa, hein, qui était concours, on était là à quelques instants. Nous demandons à ceux qui peuvent nous aider à finir cet hôpital. Bidinlah al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous récompensera de la meilleure récompense d'ici bas et au-delà. Si vous participez, vous ne perdez pas l'argent, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous augmentera vos biens. Vous voyez qu'elle est grande et demande beaucoup de moyens. Mais voilà, on est toujours au niveau de la fondation. Hein, juste au niveau de la fondation, ça fait un moment qu'il a commencé, mais il y a un manque de moyens, on est toujours là. Et nous avons aussi, comme vous voyez, des citernes. On construit d'abord des citernes parce que quand on est à l'hôpital, il faut absolument de l'eau. Donc on a construit, on a commencé plutôt des citernes. Tout ça, c'est des citernes. Il y en a 1, 2, 3, 4. Donc on commence par les citernes. Mais comme vous voyez, ils ne sont pas finis, ils sont dans travaux, en grands travaux. Donc nous demandons à tous les frères et sœurs qui peuvent participer. Et qui peuvent participer, Voilà. Voilà, c'est l'hôpital. Maintenant, on va vous montrer aussi une espèce de projet de mosquée. Là, on est ici, cet projet, dans cette fondation. Ici, on prévoit de construire une mosquée. Parce que si on a un madrasa ici, on a un hôpital, il est évident d'avoir une mosquée pour que si on est sorti dans le madrasa, on peut entrer dans la mosquée. Ou si on est à l'hôpital, si on arrive à terminer le projet de la construction de l'hôpital, on est tout près de mosquée. Ça va arranger les gens qui se trouvent dans l'hôpital pour venir prier ici. Par rapport de monter jusqu'au village pour aller prier. Et tout ça, tout ce projet sont mis au point par des gens qui ont ici, on n'avait pas le moyen pour mettre ce projet au maximum. Mais nous les débitons, mais on ne peut pas avoir le moyen pour le faire terminer. Aidez-nous à finir ces actions. L'hôpital, la mandorasa, la
la mosquée. Cette mosquée, Inch'Allah, au premier étage, il y aura une marine madrasa. Elle est grande, la mosquée. Il y a plusieurs salles, Inch'Allah. Aidez-nous, fils Abilina. Aidez-nous, fils Abilina. À construire cette mosquée. À construire l'hôpital. À construire la madrasa. Bidina, Karim Azawajal, Allah subhanahu wa ta'ala, il pourra qu'on passera à la meilleure voie qu'on passe. Jannat, on fait pour les frères et sœurs. Bon, ce qui concerne le mushaf, c'est pas seulement les élèves. Et vous voyez même les ceux qui sont dans les madrasas, des familles, ils viennent chercher des mousrafs. Et vous voyez la pauvreté, puis ils n'ont pas encore un mousraf ici. Les familles viennent un par un pour faire chercher des mousrafs. Voilà. Bah, vous voyez que même moi, il y a une bagarre.